Les sondes Pioneer, vous connaissez probablement, c'est celles qui ont embarqué des plaques d'or gravées à destination d'éventuels extraterrestres, telles des bouteilles jetées à la mer. Mais qu'est-ce que l'anomalie des sondes Pioneer Et comment l'expliquer Lancées en 1972 et 1973, les sondes Pioneer 10 et 11 ont été lancées en direction de l'espace. Après avoir passé l'orbite d'Uranus à 20 unités astronomiques, c'est-à-dire à 20 fois la distance du Soleil à la Terre, et alors que leur trajectoire n'était plus corrigée par des moteurs, une anomalie sur leur vitesse a été détectée en 1979 par la NASA. Une décélération plus forte qu'attendue. Et une fois détectée, cet étrange phénomène de décélération inexpliquée s'est maintenu. Quel est ce mystère Revenons sur les circonstances du drame, les indices relevés, les éléments techniques. Un peu de physique. Par définition, une accélération est la dérivée par rapport au temps de la vitesse. Appelons AI l'accélération. Avec I pour inertiel. En pratique, comme il est difficile de mesurer une dérivée instantanée, on mesure la vitesse à deux instants proches et l'on obtient alors l'accélération moyenne sur ce laps de temps. Grâce à la formule relativiste du redshift qui convertit la fréquence reçue en vitesse, nous pouvons calculer la décélération moyenne à I. Par ailleurs, en envoyant depuis la Terre en direction de la sonde une onde électromagnétique qui est réémise à une autre fréquence par la sonde vers la Terre, et sachant que cette onde électromagnétique se déplace à la vitesse de la lumière C, on connaît ainsi à quelle distance se situe la sonde à un instant donné. On peut alors calculer l'attraction gravitationnelle AG du Soleil et des autres planètes sur cette sonde. La seule force extérieure connue qui s'exerce sur la sonde est la gravité G. On doit donc avoir AI égale à G. Et c'est le docteur John Anderson qui a trouvé le euh non, un écart entre AI et AG. L'écart est extrêmement faible, 0,01% de différence. Nous supposerons évidemment que personne ne s'est trompé en faisant les calculs, qui ont été vérifiés et revérifiés et re-revérifiés, et si la différence provenait non des calculs, mais des formules utilisées. Pour calculer AG, on utilise la loi classique de la gravité en 1 sur R2. Et si cette loi était fausse à grande distance et qu'elle se transformait par exemple en 1 sur R c'est la piste suivie par la théorie Monde de Mordey et Milgrom qui s'appuie sur une autre loi de la gravité à grande distance. Le souci, c'est que la loi classique de gravitation en 1 sur R2 apparaît bien fonctionner sur des objets encore plus lointains, comme, comme par exemple les étoiles de notre galaxie. La piste n'est pas très prometteuse. Une autre piste pourrait être l'effet d'une autre force extérieure. Quelques-uns ont recherché du côté de l'expansion supposée de l'espace lui-même, dont l'effet pourrait être assimilé à une autre force extérieure. Mais même les relativistes ne portent pas beaucoup de crédit à cette hypothèse. Encore une autre piste. Il y aurait une accélération complémentaire d'origine interne à la sonde, que nous appellerons AC, qui expliquerait la différence. C'est Slova Turyshev, de l'équipe du professeur Anderson, qui a trouvé l'indice un flux de photons infrarouges émis depuis le moteur thermique et dirigé vers l'avant qui freinerait la sonde. C'est depuis 2011 l'explication officielle. Que dites-vous Que vous en avez parlé à votre femme et qu'elle a visionné deux vidéos contre le redshift relativiste Une première vidéo qui disait que cela oblige à envisager l'existence de galaxies qui iraient plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui est curieux. Et une deuxième vidéo qui montrerait que la démonstration relativiste du redshift serait approximative. Et alors Qu'en concluez-vous Le coupable, ce serait alors la formule relativiste du redshift. Il aurait fallu utiliser la formule néo-Newtonienne qui donne exactement l'écart constaté. L'erreur ne serait donc pas sur le calcul de l'accélération, mais sur le calcul de la vitesse. Très fort. Ah, j'allais oublier quelque chose d'important. Quoi donc Eh bien, de communiquer mes sources.